Le 21 avril, le centre de vaccination de Saint-Céré reçoit 34 flacons de Pfizer, de quoi préparer les 238 doses destinées aux personnes inscrites ce jour-là. Mais en fin de journée, alors que 238 injections ont bien été réalisées, il reste des doses non utilisées. Enfin, on s'est aperçu qu'il y avait 14 doses qui étaient en plus, ce qui a fait supposer qu'il y avait une dilution trop importante au niveau des doses et que probablement certaines personnes n'ont pas eu la complétude du vaccin. Une enquête interne permettra de déterminer que 91 personnes auraient pu recevoir une injection mal dosée suite à une erreur humaine. Il y a un volume quand même très important puisqu'on a un nombre de vaccinations, on vaccine quelqu'un toutes les 5 minutes, donc il y a quand même un nombre de passages très important. On suppose qu'il y a eu une erreur de dilution. Toutes les mesures maintenant ont été prises pour vérifier encore une fois le nombre de doses qui sont administrées. Un sous-dosage qui ne présente aucun danger médical. Toutes les personnes concernées ont été contactées par les services de santé qui ont mis en place un protocole de suivi. Il leur a été proposé un rendez-vous pour effectuer une prise de sang de manière à effectuer une sérologie. Selon les résultats de la sérologie, il sera considéré que l'injection qu'ils ont reçue est nulle, auquel cas une nouvelle injection sera proposée de manière à ce que la couverture vaccinale soit optimale. Ces nouvelles injections sont d'ores et déjà programmées pour mardi et mercredi prochain.